On va être solide, ok? Les deux latéraux, vous montez que si Fabio fait monter le bloc. S'il ne fait pas monter le bloc, vous restez en place. Fabio Ibra, si vous êtes en défense aujourd'hui, c'est pas pour rien. D'accord? Je veux que vous m'ameniez le même impact que dimanche dernier. Si on ne fait pas les efforts, c'est fini. Dès le début du match. Ok? Il faut que vous soyez à 100% pour revenir et à 100% au moins pour soutenir. Et par contre, vous devez être à 100% quand vous allez en attaque. S'il y a un contre 1, jouez le 1 contre 1. Jouez le 1 contre 1. Ok? C'est ça aussi qui va fatiguer la défense. C'est de jouer le 1 contre 1. Donc aujourd'hui, si vous voulez être au niveau, si vous voulez gagner ce match, il n'y a pas 36 solutions. De l'impact, tout de suite. Il faut être exigeant avec vous-même. À partir du moment où vous êtes exigeant avec vous-même, ça va bien se passer. Solidarité, solidarité. Franchement, là, on est chez nous, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, donc on va essayer de poser le jeu. Il faut qu'on essaie de jouer notre jeu. Là, ces derniers matchs, on n'a pas trop réussi à poser la balle, donc j'espère qu'aujourd'hui, on va réussir. Là, Mastias n'est pas là aujourd'hui, donc je vais essayer de faire un peu comme lui et distribuer la balle comme on peut. Là, on s'entend de mieux en mieux, je trouve. Et plus la saison va avancer, meilleure la cohésion sera. Donc on verra comment ça évolue, mais on a vraiment besoin de poser la balle. C'est vraiment ce qui nous manque en ce moment. Okay. On a trop tendance à dégager et c'est un peu dommage, quoi. Bah, c'est un match important vu que si on perd, bah, c'est fini pour nous. Et ça serait dommage quand même de passer à côté de ça, et on va essayer de tout faire pour justement passer au tour suivant et aller le plus loin possible. Max a dû vous le dire juste avant, les gars, la plus importante, ça va être aussi de là dans le jeu. Vous voulez des équipes qui jouent vraiment contre vous, qui sont à votre niveau et qu'on se casse pas trop la tête. C'est une très bonne équipe. Venez ici, venez ici. C'est une très bonne équipe. Venez les gars, venez. C'est une très bonne équipe, donc jouez, faites-vous plaisir. Mais en revanche, si vous faites les mêmes erreurs que ce qu'on fait, comme on a pu faire contre Guerville, ou même la semaine dernière, même si on gagne 4-0, il y a des erreurs quand même. Faites des choses simples, prenez l'information. Georges, tu vas être au cœur du jeu avec tes 2-6 derrière, prenez l'information. T'aimes la balle, t'aimes le jeu, tu sais lire, vous savez tous le lire. Là, si tu vas à contresens de ça, tu vas perdre du temps et on va perdre des ballons. D'accord? Faites des choses simples, cramez-vous, donnez-vous, c'est la coupe, faites-vous plaisir, mais jouez au foot. Aujourd'hui, le match, je sens bien, je sens que l'équipe elle est concentrée. On joue contre une des deux, ça permet aussi de nous juger en fonction de ce début de saison. Et comme en Coupe de France, on a joué contre DD1, donc on va pas trembler et je le sens bien le match. Confiance, tranquille. On donne tout aujourd'hui, pas de regrets. Quand je parle d'exigence, si vous ratez un geste, c'est pas grave, mais derrière, je veux qu'on récupère la balle. On fait tout pour récupérer la balle, ok? À 300% aujourd'hui, monsieur. Allez, c'est parti. Putain, y a pas à faire. Monsieur. Allez, les gars. Allez, 1, 2, 3, comment allez, c'est allez, on joue allez, pour monsieur, un ballon, les gars. Ballon. Ça joue, là tant Villa, il a réussi à passer, il accélère. Oula, il arrive avec un petit peu en se battant là. Bien joué Elvis, super défense d'Elvis qui était d'ailleurs l'invité de la mission lundi soir. Il est venu nous parler. Tu as besoin d'une équipe B senior. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si on monte en D3, ce sera au non. Puis, il est même pas. Non, c'est IB. C'est IB, c'est la coupe de cheveux. Ça comprend la coupe de cheveux. C'est IB, hein, c'est IB. Il est pas là, mais peut-être que Nathan lui est là, non, sur place avec Fetty peut-être. Ça joue en retrait, dommage. Bien joué, les gars, super. Alors, la Coupe des Yvelines, en fait, c'est ça porte bien son nom. C'est toutes les équipes des Yvelines qui s'affrontent pour être le champion de son département. Et bah, c'est quand même très... Oh, bien joué, numéro 9. Il y a une main de la part du numéro 9. Il est hors jeu. Bien sûr, il n'est pas parti pour son milieu. Mais effectivement, il a quitté le club. Mais bien sûr, il est toujours en contact. Toujours en contact. C'est bien ça, c'est bien parlé Dylan qui vient. Ah, c'était l'idée. C'était bien joué ça, j'ai bien aimé la communication entre Dylan et Fetty. Fetty de plus en plus, il trouve sa place dans cette équipe aussi. Attention parce qu'il y a un débordement côté, Fabio va essayer de s'encadrer ça. Bonne tête d'Elvis. C'est une bonne défense, c'est une très bonne défense. D'ailleurs, non, je viens de bêtise encore une fois.
Et on rappelle hein, la prédiction, alors là, bien sûr, les filles. Allez, allez, allez. Parce que les deux équipes partent dans la première mi-temps, d'ailleurs, c'est une action. Côté gauche, oh, super, il y a de l'espace là, allez. Ah, Fiti qui s'emmène. Oh, non, c'est non, il s'est fait mal, il s'est fait mal. Ah, il s'est tendu la cheville. Ouais. Je pense qu'il pouvait des développer l'émission. Allez, y a... Sur la gauche avec Elvis qui part sur le côté gauche. Qui va tenter un centre en retrait. Oui, c'est Aïr, quel ballon peut-être. C'est Jean dans la surface. Ça n'a plus d'un de rien. C'est Aïr qui avait remis en retrait. Ouais. Le numéro 8 et tu lui dis que c'est pas le. Ouais, c'est bien joué, c'est bien joué. Allez, je viens. Bon, on va tenter la Paganelli. Excusez-moi, Romain. Le crampon, il s'est bloqué dans la... il a voulu lever son pied, c'est crevé. Et du coup, entorse de la cheville, c'est ouais, ça. Ça a gonflé direct okay, sur le côté. Ok, il est out. Ça... Et vas-y, un petit truc sur le début de match. Super intéressant, c'est un bon match, les deux équipes elles jouent. Je pense que c'est la connexion. Bon, du coup c'est la connexion, ça veut dire. Il va frapper, elle passe à côté. C'est à côté du but. Allez, allez, allez. C'est la plus grosse au cas. Comme je ne sais pas si vous commandez sur l'écran. Sur... C'est un peu des deux, je vais pas te cacher. Qui est plus d'habitude que toi. Oh, bien joué, double contact numéro 7, ça c'était bien joué. Numéro 2 mettre à côté droit. Numéro 2 qui tourne sur le kiki qui est très bon hein, ce joueur. Je pense que c'est le numéro 8. Je ne sais pas si c'est ça. C'est ça. Ouais, il a une pointe de vitesse, mais il ne sait pas qu'il est tombé. Attention, le coup franc, il va jouer en coup franc direct. Attention, le numéro 9, il a un peu d'ouverture super grosse d'IB. Il a réussi à passer deux joueurs favorables à tous les contres. Ouf. Oui, Fabio qui se bat bien. C'est Georges qui a pouvoir relancer, c'est dégagé, c'est en flush. Chandelle, ouais. Tête de Tahir. Il a un deuxième ballon et l'opportunité de contre, non. Dommage. Voilà, le sixième, enfin il a pris son sixième abonnement à la chaîne. Merci beaucoup, toi, tu fais très plaisir. Ouais, ça, par contre, ça fait pas plaisir main. Cette action. Sur la gauche, à ton centre. Il n'a pas pu être repris. Et ouais, il faut qu'il récupère le ballon côté gauche. Il est bien sacré par le joueur de Chambourcy qui récupère le ballon, qui repart carrément côté droit, qui tombe dans la surface. Non, non. On est à la 28ème, les gars. Allez, allez, ça drainé. Yes, c'est mini. Oh, bien joué. Tahir qui récupère Tahir qui malheureusement n'a pas pu armer sa frappe. Il s'arrête pas en tous les cas. Ouais, c'est tout le contraire. Chambourcy qui essaie de relancer. Renaud vainqueur, Coupe du Monde. Ah, moi je. En fait. On va peut-être surveiller cette. Moi, le truc, c'est que je parie jamais qu'on fasse. Je vais pas dire un pays haut qui est la France. Moi, je dis Allemagne. Tu dis Allemagne? Ouais. Les amis. Allez Dylan, c'est bien joué, ça c'est super bien joué. Ça c'est pas mal. Oui, très belle action, Georges. Aïe. Oh, Georges, ça va trop précipité là. Le problème c'est que quand tu complimentes, l'action après n'est pas tout seul. Non, ouais, c'est un théorème. C'est une théorie, donc. Moi je dis 4 sons, faut qu'il aille plus vite. Il aime bien toucher le ballon. Fameuse touche de trop. Ouais, un peu trop de touche là pour Georges. Il est bon aussi, numéro 9. Sur le 8 au second poteau. Le 9 il l'a vu, non il l'a pas vu. Attention, attention, oui, par contre lui il l'a vu. Il frappe, il est capté par Herman en deux temps. Non, pas du tout, il a capté en deux temps. Allez, le côté gauche il fait mal un peu sur Boursi. Ah, c'est beaucoup par là. Oh, super retour de Tahir. Non, c'est Nathan, non, c'est Nathan qui revient, il peut peut-être initier un contre, c'est ce qu'il essaye de faire. Bien joué, ça. Est-ce qu'il peut lever la tête sur la gauche? Allez, il y a Nicolas. Soutien Nico. Allez, Nico, non, allez, il s'arrache. Allez, Nico. Il s'arrache. Bonjour, des côtés où ça va? Bonjour. Ça va bien? Allez, attention Nicolas, la passe en retrait. Aïe. Je pense qu'il fallait plus que dans la zone dangereuse, c'était un peu trop retrait pour le coup. Il tombe à l'eau, et déjà c'est pour une prédiction, il faut que le vitesse marque pour que les deux équipes marquent. Allez, c'est exact.
Allez. Ça va peut-être se produire sur cette case. Il y en a encore le ballon de Dinamo. Putain, pas spécial, mais je crois que l'arbitre avait cité. Non, pas du tout. Deuxième, il a 40 minutes, la protoponie, avec le temps supplémentaire. Pas sur Mourant. Allez. Il est avec la blessure. Ah oui, c'est avec les blessures, absolument. Il y a un ballon dans la surface, oh. Une frappe qui est contrée. Wow. Il a une main de garde. En fait, on fait un bon match sur son site. Et ça, c'est vraiment le niveau des deux. Allez, si voilà, là, il y a les robes repart. Allez, se bat. Allez, Nicolas, oui, il part, il s'arrache. Ah, il a pas réussi. Allez, cinquième, allez, peut-être une petite balle de merde là avec un cafouillage défensif pour pas oui, oui, allez, mais allez, super contrôle. Allez, qui décale, attends, je vais là. Non, c'était un peu long. C'était un peu long. Le gardien qui va la calmer. Il est bon, il est bon, gardien. Allez, peut-être un duel gagné. Ça va être terminé. Ouais, c'est un temps. Donc, la prédiction à pouvoir acheter pour ceux qui ont parié, non. Les deux équipes vont marquer. Non. Ils ont acheté. Vas-y. Je vous le répète tous les dimanches, les contrôles, les passes. Depuis les 5 premières minutes, on a joué au ballon. Ça, c'était bien, sans plus, mais c'était bien. Maintenant, j'ai une question à vous poser. À quel moment vous prenez des risques? Parce que c'est ce qui permet aussi de mettre des buts. À quel moment vous prenez des risques? Et c'est pour ça que c'est trop facile pour eux. Tout ce que vous faites, même moi je le vois avec Romain, on le voit 3 coups d'avance. On sait ce que vous allez faire. Prenez des putains de risques. On joue trop facile pour eux, là. Les mecs devant chez eux, ils ont le temps de contrôler, de se retourner. Ils ont le temps de partir dans votre dos. À quel moment, quand je vous ai demandé de leur rendre la vie difficile, à quel moment, lui, celui qui est là, il a le droit de contrôler, de se retourner? Pourquoi vous n'êtes pas déjà sur lui? Encore une fois, les gars, c'est pas une équipe de 4ème div. Ça va vite, ils coulissent vite, ils jouent vite. Si vous suivez pas, c'est mort. Fab, si t'es pas sur eux, tout de suite, à l'impact, dès qu'il touche la balle, c'est fini. Je vous l'ai dit, les gars, Romain vous le dit depuis au moins 3 mois, le temps de passe. Les mecs ont le temps de faire la passe, ont le temps de récupérer la balle, et là on arrive. Sauf que c'est pas des joueurs de D4 et de D5. Une fois qu'ils ont récupéré la balle, ils savent déjà que son joueur là-bas, son pote, il a fait l'appel. Il sait déjà qu'il va la donner en une touche. Contrairement à nous, quand on reçoit la balle, hop, on n'a plus le ballon, c'est trop tard. C'est pour ça que je suis énervé. Parce que si tous les dimanches vous me feriez des matchs de merde, je serais même pas en train de m'énerver. Mais c'est pas le cas. Nos excentrés, par rapport à notre triangle là, Fetty, Dylan, Georges, c'est Shams maintenant, vous êtes trop dissipés. Vous n'êtes pas en position triangle. Vous n'êtes pas en position en tout cas à regarder où le copain il est et à compenser. Donc du coup ça crée des décalages. Et ces décalages c'est sur le but. Je suis désolé, je vais être très très dur. Je vais être très très dur. Mais le but c'est une erreur d'Elvis. Hein. Désolé Elvis, hein. C'est pas pour te tirer dessus, hein. On est face à la première mi-temps, on repart en deuxième. Vraiment, on va voir le caractère que vous avez maintenant. Mais t'es loin de ton joueur, t'attaques pas ta balle sur le temps de passe. Ibé il vient couvrir du coup parce que tu lui donnes la trajectoire du ballon. Ibé, derrière il y a quelqu'un derrière, Fab et Emir ils sont pas du tout en position pour venir récupérer, courir après derrière, il y a un décalage. Ok, enfin. 261, let's go. Mais c'est la seconde mi-temps, c'est aussi il y aura le chrono. Il n'y aura pas de bête. On n'a rien à perdre, on fait la coupe, on perd 1-0. C'est quand même Elvis qui a pas réussi à arrêter sa pression. Attention, ta frappe instantanée, elle passe derrière. Agiter les buts. Non, non. Pas l'air non plus. C'est pas qu'il y a pénalty, mais attention. Parce que là, Vinicius qui est une super seconde mi-temps. Bon, en tout cas, oui, reprise. Bien, attends, Villar qui tente sa chance. Elle passe à côté. Georges en appui, qui a du mal à bien remiser. Du coup, ouais, Chambissi qui récupère le ballon. Attention, ce cap, c'est une opportunité de taper le 2-0. Et il a marqué le numéro 6 en faveur de Chambissi. Georges en appui, qui a du mal à bien remiser. Du coup, ouais, Chambissi qui récupère le ballon. Attention, ce cap, c'est une opportunité de taper le 2-0 et il a marqué. On aura 2-2 pour votre crédit. Ça repart. C'est dommage, en tout cas, c'est les 10, je joue. Georges. On a le joueur super. Georges Dylan avec Nico sur la gauche. Manger d'aide. C'est très bien anticipé.
de la part de Champourcy qui peut repartir en contre avec de l'espace côté droit, c'est leur côté. Visiblement côté droit, côté où Elvis défensivement, où il élimine deux joueurs d'un coup, il rentre dans la surface de réparation. Il centre et c'est derrière. Ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Côté droit. On attend qu'il revient. Justement pour le dos, pour rester attention. On serve le ballon, il y a passé la pâté, mais finalement, il se trouve dans la passe, il y a beaucoup plus d'agressivité, le ballon qui ne sort pas, avec un numéro 9 sur le côté gauche, Cadouchan, qui va se trouver, il passe à Dylan, il élimine. Le troisième but, et arrête de Herman. Herman qui couvre avec son genou. Il va l'avoir en deux temps. Très bon numéro. Et il fonce dans la surface. L'arrêt d'Herman, attention, c'est pas fini. Oh, impensable. Il est plus 3. Il l'aurait eu au pire. Il était déjà dessus. Oh là là. Oh, le trou d'air, l'énorme trou d'air d'Elvis. Il va y avoir. Ouais, c'est Elvis qui s'est planté. Il s'est trouvé une couille contre côté droit et on peut rentrer un tard dans la surface. Elvis. Il arrache le corner finalement. Allez, bien joué. Allez. Il a du mal à contrôler ce ballon. Mais une opportunité peut-être dans la surface de réparation. Champourcy qui a fait un coup. Leur neuf est très bon. Oula! Ah, dommage, belle dépréciation. Bon travers, quoique, il y a le deuxième ballon avec Nico, Nico Cadouchan, Nico qui part. Nico sur le côté, Nico qui tente de se remettre sur son bon pied. La frappe à l'écontré, malheureusement pour lui, c'est pas fini. Il y en a tant vite à la frappe à l'écontré, elle aussi. Et ça gratte encore l'air. C'est bien joué. Ça gratte. C'est pas un scoop. Toi, c'est James. Il écoutera quel. Tiens, ça se saura. La volée, pas du tout. Fabio qui s'essaye. Non, elle n'est pas sortie. Il y a un effet extérieur. Il y a un effet. Ah, Chiams qui s'est loupé, malheureusement. Et Champourcy qui repart. Une pression. Ouais, bien joué. C'est vrai qu'il s'est tiré dans la zone. Juste après coup. Pourquoi il y en a eu? Il ne voit plus. La volée, pied droit. Allez, dévié corner. Bordel de putain de merde. Fabio qui va tirer fort. Il va tirer. Cadré. Oh, malheureusement. Salut Nolan, je crois que tu vas bien. Ouais, je sais. Dis la batterie en charge. Mais non, du coup, la batterie est en charge. Il y a le GoPro. Ouais, mais regarde en dessous. Qu'elle casse peut-être pour l'initiative. C'est avec Nico côté gauche. Nico côté gauche qui va frapper ses contrées. Est-ce que le ballon sort? La réponse est oui, il y a un corner. 22, ouais, c'est ce qui semblait le corner. Il va taper, malheureusement. Lan qui tente un geste beaucoup trop Dylan, difficile. Il fallait pas essayer de tirer. Quoique, c'est pas fini. Il y a un centre, il y a une tête. Il y a un point de pénalty. C'est ce qu'il fait, c'est pas mauvais. C'était bien, mais peut-être pas assez tendu. Quand même. C'était pas mal. C'était bien tiré. C'était pas mal, ouais. C'était un petit peu trop. Il y a un contre. Quand même. Exact. Il va frapper. Non, j'ai cru. Il y a trop d'espace là, côté droit chaque fois. Non, la frappe, ouais. Trop facile. J'ai fait à Château Giron. Donc c'est pas prévu, non. On a déjà fait à Château Giron, donc il faut les casser. C'est bien amené. Il a du sang, il est dans la surface. Est-ce qu'il peut mettre le 3-0? Elle passe un côté. Ça repart avec Dylan qui a bout d'appel de Nathan. C'est vrai qu'ils ont eu deux actions. Le numéro 3, c'est sacrifié. Il y a Nicolas, il a pas donné. Non, il a pas donné à Nicolas. La frappe. Pas ça. Bingo. Non, je sais pas, non. Si c'est bon. Oui, c'est vrai, parce que c'est une perte en vitesse avec ça. Attention. Herman qui la sauve. Sauvetage exceptionnel, c'est Abdé qui la sauve alors qu'on essaye de régler en même temps les problèmes techniques. Eux, ils ont pas eu le souci, c'était nous qui veulent, mais c'est bon. Du coup, je pense qu'on a sauvé le truc, je sais pas, on est à 1%. Faute sur Nathan. Ah, malheureusement, ça repart de l'autre côté. De toute façon, on va tout donner en attaque, forcément, on va décompter. Bah oui, on sort, on fait des espaces. Le chien, il va à 2000. Il s'est pas fait flasher, le 3-0 qui est évité. Bah non. Incroyable, Herman il fait un double arrêt. Herman qui fait une double parade, mais il y a quand même. Il va à 2000.
s'est pas fait flasher, le 3-0 de Trinité. Ah non. Incroyable, Herman il fait un double arrêt. Non mais... Vincent, entre nous. Vincent, avec tout le respect que j'ai pour toi et tout. Il reste 7 minutes. Avec tout le respect que j'ai pour toi. Et toute la considération, quand même. Vous oubliez ce que le football là, nous a. Oui, nous mais non, là, je veux pas être salopard. Je suis contre le PSG, je peux vous dire, j'en ai connu des. Je suis non, mais je sais pas, mais tout est possible. C'est ça parce qu'on prend des buts quasiment. Ah, il y a un bon jaillissement quand même là. Oh là, faut voir dans Steven là. Ah, il y a pas. Mais il y a du soutien à gauche, il y a du soutien à gauche, il y a trop le ballon. Quoique la frappe de Georges qui ne donne rien. Steven, là, ouais, là. Allez, c'est tous ce aussi dans les Yvelines. 18, 15 régions parisiennes. Oh, carrément, on aime de ça. Il y a de pigeons numéro 13 qui va se prendre de la tête. Bonne couverture d'Abdé. Double contre-favorable. Ah non, mais en plus, ils ont tout. Ouais, mais ça se provoque, ça. C'est je suis pas... d'accord. Non, il cherche le pénalty. Non. Mais il va avoir le coup. Ça va être un match. Petit test, on a fait pas un match dégueu, mais on a vu comme la différence de niveau. Oh la vache! Sur la vitesse. Oh la vache! Herman est sorti. Oh Herman est sorti. Elle y est. Herman est sorti parce qu'il a tenté le tout. Ouais, ben là. Ça va pas payer. Bon, là, pardon, là, je peux payer la prédit. Hein. Là, je peux payer la prédit. Vas-y, fais-toi plaisir. T'as pas que des idées n'existent pas. Juste ça, il y a deux joueurs qui viennent sur ça, lui. Ça résout nos actions, c'est le mec qui le voit, mais le mec il a déjà vu ce qu'il avait fait. Ouais, non, et il attend cette tour qui est arrivée. C'est impressionnant. Ouais, sur aussi avant-dernier du D2. Avant-dernier D2. Pour l'honneur, ouais, au moins but pour l'honneur. J'aurais même pensé le crédit. Ah tiens, j'ai eu le temps. Ouais, non, c'est bon. Ah, ça va être juste. Le 12, c'est Verstappen. Le 12 Herman, il en a arrêté. Double parade, elle est derrière. Herman, il en a arrêté plein, mon gueule 4-0. Elle est derrière. La courrière commence. Et c'est terminé. Il fait 4-0 face à une équipe beaucoup plus forte que nous aujourd'hui. On a eu une très belle équipe de Chambourcy. C'est vrai. Nous, encore une fois, aucune envie, aucune combativité. Les bases ne sont pas présentes. Il y a beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, j'ai vu 3 joueurs dans l'équipe du Vinsk FC jouer au football. Donc, vu que c'est un jeu qui se joue à 11, c'est très compliqué de jouer à 3. Donc, très déçu de mon équipe aujourd'hui. Ouais, après, là, je pense que tu es un peu à chaud et tout. Effectivement, d'un point de vue extérieur, on a vu une équipe un peu supérieure de Chambourcy qui est une très belle équipe. Je pense que ça prouve qu'il reste encore beaucoup de travail pour arriver à ce niveau-là. Et du coup, voilà, est-ce que tu as peut-être un mot de la fin? C'est fini en coupe, de toute façon, c'était pas la priorité. Et qu'est-ce que tu penses travailler pour le championnat? Les bases. Les bases, comme on fait depuis le début de l'année. Je pense que quand on sera pas efficace et irréprochable sur les contrôles, les passes, les mouvements, les déplacements, je pense que ça va être compliqué de jouer contre des équipes de ce niveau-là, en tout cas. Bon, on va te laisser tranquille. Et ouais, hein, la prochaine fois, ça sera un match où il y aura la victoire. À vous, le studio. 'Les mots sont difficiles à trouver pour être juste et pas être méchant. Je vais retenir une chose de ce match. On joue comme on s'entraîne. Et je retiendrai que ça pour pas être méchant sur ce qui s'est passé. Mais on joue comme on s'entraîne. Je suis sorti de l'entraînement mardi, dégoûté, déçu, dépouillé parce que j'ai fini avec l'équipe qui s'est fait tourner. Et j'ai dit à Nathan, j'ai même pas eu le courage de lui dire parce que j'étais trop vexé d'avoir perdu. Le jeudi, j'ai dit quoi, Nathan? Je t'ai dit quoi?
L'attitude, elle était bonne. Ils voulaient nous piétiner. Ils voulaient nous piétiner. En tant que compétiteur, j'ai pas aimé. Je suis revenu jeudi, par contre, je l'ai accepté en lui disant « T'as été meilleur avec tout ton groupe. » On joue comme on s'entraîne. Je me suis posé à côté de Fetty sur le gainage. J'ai dit « Tu sais, Fetty, si on joue comme ça ce week-end, on va prendre une branlée. Et j'espère qu'on la prendra. Et j'espère aussi me tromper. Fetty, c'est vrai ou pas ? On joue comme on s'entraîne. On joue avec attitude et on joue comme on s'entraîne. Donc ceux qui viennent à l'entraînement et qui chouinent pour des choses et qui rigolent trop et qui se concentrent pas sur les choses qu'on voit, ne vous étonnez pas que le week-end on prenne des branlées comme ça. Tout est question d'attitude. Tout est question d'attitude, messieurs. Juste ça. Attitude dans la volonté. On a le droit d'être pas bon. Je vous jure qu'on a le droit d'être pas bon. Mais on n'a pas le droit de baisser les bras et de pas avoir à pas aller au charbon, pas aller au combat. Ça, par contre, ça, moi, ça me va pas. Parce que, excusez-moi, vous savez ce qui me dérange le plus ? C'est qu'on travaille des choses à l'entraînement. Et que là, la deuxième mi-temps que je viens de voir, même les U13, samedi, hier, ont fait un meilleur match que vous, là. Et en fait, ça me casse les couilles de faire des préparations d'entraînement, des entraînements avec Romain. Vous faites les malins à l'entraînement. Vous rigolez, vous avez à dire « Oh non, ça me casse les couilles les pompes, ça me casse les couilles de faire ça !» Et de faire des deuxièmes mi-temps comme ça, putain ! Ça me casse les couilles ! À me casser le cul ! À venir le mardi soir et le jeudi soir pour des mecs qui se prennent pour des restas ! Ça me casse les couilles ! Clairement ! Avec les moyens de. Voilà, c'est tout. Hein. Adidas. C'est un élastique de résistance. Oui, mais Adidas envoie des bandeaux Adidas. Là pour le moment, c'est juste de réaliser 8 passes. Une fois que les 8 passes sont faites, vous enchaînez. À vous de communiquer pour vous dire ça y est, on est à 8. Ok ? C'est bon ? Allez, en place ! Comment tu les sens après cette défaite ? Ça va, écoute, ça fait un peu mal quand même, on en a un peu reparlé, ça fait un peu mal, mais bon, voilà, il n'y a pas tout le monde qui est là ce soir, évidemment, il y a le match de la Coupe du Monde, pardon. Mais non, voilà, il y a des choses à travailler, c'est preuve que le niveau dessus, il y a des choses qui ne trompent pas, t'as vu le match comme moi, tu peux pas faire trop d'erreurs, sinon t'es sanctionné, donc voilà, ça nous donne des axes de travail. Il y a eu le choix de ne pas prendre Nero. Ouais. Pour mettre Fabio Olivier qui avait fait une clean sheet la semaine d'avant. Ouais. Okay. Comment ça s'est décidé ? C'était juste, voilà, Nero commençait à être. Nero commençait à être aussi un peu fatigué, on avait discuté ensemble et je l'ai ressenti comme ça, Maxime aussi, donc du coup on a fait le choix de continuer sur la lancée du match précédent. C'est des choix. Non, mais voilà, après voilà, c'est par rapport aussi à l'investissement des gars et ça continuera en fonction de. On verra comment les gars s'investissent. Tu vois, il y a des gens qui sont à l'entraînement, d'autres qui ne sont pas. On continue à travailler là-dessus. Et aussi il y a des attitudes ce week-end qui n'étaient pas forcément en adéquation. Donc du coup, il y a des choses à régler, donc on verra bien. On ne prend pas l'information. Ici je vois Tahir ici qui fait deux fois les bonnes choses. Il est où Tahir ? Deux fois les bonnes choses sur ton contrôle, tu contrôles, c'est bien. Tu vois. Il y a ton collègue en face, mais pour autant, tu remets une touche, t'attends que l'adversaire il arrive et tu lui mets derrière. Mais qu'est-ce que ça provoque derrière ? Bah tous les autres, ils ont le temps de revenir sur ton collègue. Alors que si tu lui mets ton contrôle, la passe, lui derrière il peut enchaîner, les défenseurs derrière ils vont tourner en rond et se dire waouh, ça va trop vite. Que là on attend et techniquement on fait la moindre erreur et bah forcément tout le monde est là, ok ? Il tire pas trop ton bandeau là ? Non, c'est parfait. Mais je fume, je gêne pas. Donc, prochaine action, c'est le but normal. Oui, bien joué. Excellent. À gauche, on est parfait sur les ballons, faut finir. Oui, James, excellent. Pas au deuxième. Tout est dans le bandeau. Ah Flo, tu y vas tout doucement et tu me mets un ballon de merde comme ça, fais-le cavaler. Allez, à partir de maintenant, on compte les buts. Ça bombe ceux qui perdent. Oui, je vais mettre. Oh non, il est belle, il est pas dans le centre. Pardon, tu me pousses, tu prends ta place. Voilà, bien joué. Ah,
passer, s'il te plaît. On va tomber, on va tomber. T'es sur mon côté, je vais te mettre tempé. Mon équipe, elle gagne. Donne-moi la balle, je t'ai à droite. Mon équipe, elle gagne. T'es à droite ? J'attends. Dis-lui, on gagne. Dis-lui, on gagne, s'il te plaît. Eh, mais Abdi, un jour, t'étais pas là. On faisait des exercices là-bas, je l'ai mis une C virgule, il a dit heureusement Raph il est pas là. Abdi chiller, à la fin. Arrête, arrête de parler chinois, aujourd'hui on gagne. À la fin, Johnny gagne. Victoire des jaunes. Non, moi, moi je vais pas gagner. Moi je vais le faire du sale. Il a jamais gagné le mardi. Je vais juste le faire du sale. Ils ont Abdi, il a du mal. Ouais, attends. Côté, côté.